Ah, arrêtez de vous disputer. Comment ça, on est déjà mercredi? Ça y est, je vous ai tourné une nouvelle vidéo qui sortira dimanche prochain où je teste enfin, vu que vous n'avez été que quelques milliers à me le demander, Kylie Skin. Les amis, je n'ai plus les mots, je vous préviens tout de suite. Rendez-vous dimanche prochain. Du coup, j'en ai profité pour regarder un petit peu mes commentaires YouTube, mes petits DM. Et c'est ouf le nombre de messages que je reçois encore et toujours par rapport à mes cheveux. C'est incroyable. Alors je vous jure, c'est ouf, parce que parfois je me surprends à checker des vieilles photos dans mon téléphone. Et là, par exemple, bah, j'arrive pas à croire que ces photos, elles ont 2 ans. C'est ouf. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon obsession pour mes cheveux. Des cheveux que j'ai très longtemps, en fait, pendant de nombreuses années, pas du tout respectés. Et j'ai fait que de la merde, des colos, des colos, colos, des colos. Pff. J'ai été brune, j'ai été blonde, j'ai eu les cheveux noirs, puis je suis passée du noir au blond, puis au roux. Enfin, vraiment, je n'ai fait que de la merde avec mes cheveux pendant des années. Et là, ça fait 2 ans que je les traite avec respect, que je ne fais rien de ouf, à part mon rogue hair qui revient à chaque fois, hein, parce que je me refais à chaque fois des coulages, mais bon, forcément, il revient. Du coup, en plus d'arrêter de les décolorer, de les colorer, de faire n'importe quoi avec, j'ai vraiment suivi une routine bien précise. Mais surtout maintenant, parce qu'avant, il fallait d'abord les laisser pousser. Dès que j'ai eu une certaine longueur qui n'était pas non plus waouh, mais qui n'est pas non plus dégueulasse, en fait, je me suis vite retrouvée avec une sensation un peu de frustration. Parce que tu vois plus vraiment la différence entre les mois de pousse, tu vois. Du coup, j'ai en fait commencé toute une cure il y a plusieurs mois de la marque Airburst. Je ne sais pas si tu connais. J'ai privilégié cette marque-là parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Mais j'ai surtout privilégié cette marque-là parce qu'en fait, ils avaient des petits comme des petits bonbons à mâcher en guise de vitamines pour faire pousser les cheveux. Parce que, vous le savez, je ne sais pas avaler des gélules, c'est vraiment l'enfer. Alors moi, je prends ceux-ci, en fait, ce sont les vegan, hein, c'est les petits unicorn. Alors, il y a du zinc, il y a de la biotine, forcément, du sélénium. Donc, c'est vraiment ce qui va aller favoriser la pousse. Et alors, le goût est juste extraordinaire. Ça goûte la framboise, mais c'est vraiment délicieux. Et du coup, bah comme c'est bon, t'oublies pas de les prendre. T'as vraiment envie de les prendre. Alors, des fois, je me retiens de pas en prendre 4. D'ailleurs, j'avais pris le pack avec shampoing et après shampoing, j'avais vraiment pris tout le bordel. Et donc là, on est sur un shampoing avec du panthénol qui fait donc gonfler le cheveu, qui retient l'hydratation, c'est assez cool. Et il n'y a pas de parabène et pas de lauryl sulfate de sodium. Very good. Et alors un autre produit qui est juste incroyable, c'est leur élixir de pousse. C'est un peu comme avec le panthénol en fait, ça va vraiment, sauf qu'ici c'est du lanagain, donc ça va vraiment aller hydrater, retenir l'hydratation dans ton cheveu, donner du volume. Produit que j'utilise donc après mon shampoing et après shampoing, je vais aller mettre du produit sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs, je vais un peu aller masser. Et je laisse sécher à l'air libre car je n'utilise plus de sèche-cheveux. Moi je valide à 100% ces produits que je trouve juste extraordinaire. Si toi aussi tu as envie de te faire ton propre avis, franchement, je t'invite à tester. Et du coup, j'ai un code promo GAEL20 qui t'offre 20% de réduction sur tout le site. Je te mets tout ça également en swipe up et je vous fais des énormes bisous et je vous souhaite une agréable soirée. Oh là là, on est en train de faire des bêtises, Kathleen. Des bêtises. C'est de la merde quand tout ce que tu fais ne sert à rien parce que ta vie.